bonjour à tous, c'est Letty Dragon et on se retrouve pour la suite du Let's Play de Sleeping Dogs, épisode 5, j'espère que vous allez bien. Eh ben on va continuer comme on avait dit, on va aller voir Hotshot là dans le chantier, bidule chouette, voilà, la piste, le chantier routier, allons-y. On va essayer de trouver un véhicule. Allez, ça ira très bien. Donc maintenant, on peut dire qu'on fait partie de la famille des triades. Ils nous font confiance à 100%. Et ça, c'est cool. Renseignez-vous sur l'accident. Ok, on va aller voir vite fait. Éloignez l'ivrogne de la boutique. Ok, bonjour. Monsieur, vous arrêtez. Allez, on va faire un tour dans la cabine. Voilà ce qu'on en fait des ivrognes dans la cabine téléphonique. Voilà, bonne nuit. Ah merde, le pauvre est mort. Ah bah attends, fallait le dire avant. Ah bah sois gentil, non, mec. Il a changé de vêtements. Faut juste l'éloigner. Bon bah je l'éloigne. Bah je l'éloigne, je l'emmène où moi, ça moi. Voilà, dégage. Bah il est quand même pas mort là, il est juste tombé par terre. Ils sont sérieux là? Genre il est mort quoi. Et il est en sucre ou quoi? Mais je l'emmène où, j'en sais rien moi. Il y a un point jaune. Ah, foutez que je le garde comme ça. T'as pas l'air con, tu sais. Ah, c'était juste ça. Comment on lâche? Ah, rond? Triangle. Ah, c'est triangle. Ok. Ok. Putain. Et y'en a. Putain, je suis perdu, ça y est. Ok. Bon, j'ai besoin d'une voiture. Merci. Désolé, hein, c'était une femme. Sorry. Oh mon dieu, ça avance rien ce machin. Oh le taco quoi. C'est qu'il y a des magasins de vêtements là. On va s'en acheter de nouveaux vêtements là. Ça commence à avoir marre de ces fringues pourries là. Qu'est-ce qu'il nous vend quoi lui? On a pas mal de pognon je crois en plus hein. C'est tout. On va pas acheter celui-là pire. C'est pas très beau hein, quand même. Oh. Ah celui-là ouais. Ah, encore mieux celui-là. Alors prends celui-là. On est un peu mieux là non? Ah j'ai pas assez de réputation, et ouais, c'est ça le problème. Oh mon nom Panama quoi. Eh ouais, il manque la réputation. Ok, bon allez on va rester comme ça. Merde. On est pas mal. Eh ouais, hein, ça veut draguer de la minette. Faut qu'on soit classe quand même, faut être sortable. Hein. Cette voiture avance rien. Ne pas faire une course avec cette voiture. T'es sûr de la perdre. Qu'est-ce que je branle là, moi? Monter dans le fourgon. What? Où c'est qu'il veut nous emmener? On a peu connu de Hotshot. Et on y va, avec le mini camion, le petit fourgon. Oula, ça tangue. Oh, ce vieux klaxon quoi. Klaxon de merde. Ah voilà, là j'ai réussi.
En fait, il faut tourner en même temps de déraper en fait avec le rond. Pour que ça marche bien, j'ai l'impression. Ah! Jackie! La car est crap! Laisse-moi fixer ma car, puis je vais te prendre. Easy. Fine, c'est ton funeral. Elle est trop belle sa voiture à Jackie. Hein. Oh la vache, la jaune et noire là. Oh putain, on est déguisé comme un con. Pose un micro sur la voiture de Hotshot. D'accord. Vite. Tu retournes pas, Jackie. Oh putain, il va falloir refaire ça. Non. Putain, faut pas trembler de la main, je vous le dis. Hein. Ok. Micro réglé. Remonter dans le fourgon. C'est bon? C'est autre chose que le point de rendez-vous. Attends, mais c'est pas Jackie ça? Si, c'est. Respectez le code de la route, ne vous faites pas repérer. Sans blague. Ah, eux ils respectent pas bien, par contre. Hein. C'est son ami. Merde. Merde, mais qu'est-ce qu'il fait la route, ce con? T'as la caméra. Quoi. Ah, mais le micro, on entend ce qu'ils disent. Ah, c'est chiant, j'arrive pas à lire en même temps. Pas tout le temps. Hotshot's gonna race Ace, and he's talking like he's not gonna let Ace make it to the finish line alive. Ouais. Do you know where and when? Not yet. Hey, one other thing. Hotshot and his friend Nas suspect I'm a cop. Nas Singh, the drug smuggler? You know him? Yeah, I know him. He's an informant for HKPD. He's the one that put us on to Hotshot in the first place. Fucking guy's playing both sides of the game. You want me to tell him to shut up? No! I agreed to help you, Inspector, but not if it gets me killed. Do everything you can to keep my cover intact. I'll deal with Nas myself. Le mec de Nas. Complètement Nas. For now, let me know if you find out anything about that race. Ok. T'as chaud à fond. Voilà, l'effet de vitesse. Zéro, tu vois. Ah ok, on ramène là. Ok. Bon. Allez au lit. Ah d'accord. Fallait se coucher maintenant. Le jeu te le dit. Ok. Prends la tank. Okay.
La, la, la. Coucou, c'est moi. Oui, je me gare comme une merde. Je fais ce que je veux. Pardon, vous êtes au milieu de la route, merci. Je vais dormir en pleine journée, pardon. Bon, bah allez, dormir. Je fais des cauchemars. Hein. Chaque nuit. Bon, quelqu'un va nous appeler sûrement. Sur les trois pour faire les autres. Oncle Po, pas de peau. Conseil de mode. On fera peut-être des quêtes secondaires quand même. En même temps, les quêtes principales, je pense. De temps en temps. Je pense qu'on fera pas des vidéos juste des quêtes secondaires finalement. J'ai réfléchi. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Est-ce qu'on aura l'autre voiture normalement? Ah ouais? Classé. On va prendre ça? Hello. Oh. Wait. The Knox Security Company has refused to pay protection money. If you see their vans, hijack them and bring them to one of our garages. Mm-hmm. Sounds good. Grab them if I see them. Ok. Attends. Oncle Po. Allons voir Oncle Po. Oncle Po. Ah, Oncle Po, il va au club Bam Bam. Laissez passer. C'est moi le big boss. Aya. Mommy Pop. Who's he talking to? It's the Dilo, man. It's the chairman. Mommy Bagala. Mama Shando. C'est le grand patron, j'imagine. You're coming with me. Looks like you're gonna rencontrer Uncle Po. Hey, j'ai pris du galon. The rest of you, wait here. Don't do anything until you hear from me. What's going on? You are staying here like I told you. And you are shutting the fuck up. Got it? Yeah, boss. Of course. Good. Let's go. Il doit dégoûter l'autre. Moi, je vais avoir un club pour... T'as pas de peau, hein? Oh merde, comment tu conduis? Conduis Winston chez l'oncle Po. Oh oui, vite. Yeah. Pissed off the wrong people, way. Look, at least we kept Siwa alive. Yeah. That may be just what saves us. I'm gonna bump Uncle Po's car. But when that doesn't, it's not fair, you know? Look what I built. The night market. All the North Point, really. The dog eyes gets green. What was I supposed to do, huh, Liwa Mingwatenga? Just what you did. Look, you can't back down from that asshole. You and him got history, huh? Well, me too. Listen, Wei. Anything. Quelque chose, anything les autres, d'accord. Me, comme une famille, enfin les coudes. Ok, il a vraiment confiance en moi. We're a family. Family has to stick together. Duke, Conroy, the good guys. But they're not. Ils seront jamais chefs. I know Conroy gives you shit, and you've proven yourself now. And he'll see it. Ah, il m'aime bien, hein. Il veut que ce soit moi le prochain chef, tu vois. Si j'ai bien compris. On est des frères. I know people use that word. Et mon frère. But it means something to me. And it should to you too. Not just that we're son on you. True brothers. Blood. We look after each other. And we look after the people we love. Hey Winston. Ziwa told me he really works for Big Smiley, not dog ones.
keep hearing his name. Smiley's back in Dog Eyes, sure. That's where he gets the balls to come after me. Lee has a lot of power. Along with drugs, he's into prostitution. Porn. Even sells women across the border into the rest of Asia. Whole thing is run like an industry. Very sleazy, but big money. Winston, we can't just walk in there. Not if it's as bad as you say. I have a lot of choice. It's the way it's done, Way. Besides, you can't hide from Uncle Poe. If he wants you dead, you're dead. And I'd rather see it coming, you know? You should be okay. But if I get my ass shot, do not do anything stupid. J'aime bien, monsieur Uncle Poe. Okay. Allez. Who gives that shit? Fuck off, Johnny. Johnny. Hey, Winston. What's wrong? You look a little pale, man. Dog Eyes tells me you've been throwing your weight around. What happened? You guys used to be tight as shit. Is he here? Nah, he left a while ago. Without a scratch. Doesn't bode so well for the other parties involved. Go right in. Have fun. Mm-hmm. Ah, l'oncle Poe. Ah, Winston. Come in. Sit down. Have some tea. And you, young man, must be Way. Winston speaks very highly of you. Winston has been a good friend to me. I've tried to do right by him. I like the way you think. That's the attitude that makes us strong. Toujours caressé dans le sens du poil. Discretion used to be more common. Ah, fais-moi le malin, là. You're the one who made sure Siwa was not arrested. No, it was Winston's idea. He had to assert himself. Assert his position. But he didn't want to inconvenience you in the process. Did he now? In any case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Poe, there's really no need. Don't argue with me. Do you know Roland Ho? He has a business collecting Roland debts. The other day he told me that he could use some help. It's quite lucrative, you know. Tell him I sent you. Winston won't mind in the slightest. Will you? Je crois pas, non. Putain, on va travailler pour l'oncle Poe. Thank you, uncle. On va voir ce guignol d'homme. Winston, Winston, relax. I know you were provoked. Oula. Il va passer un sale quart d'heure. Elle est à la stricte, hein, monsieur Poe, là. God damn it. I bet $1,000 I was going to be carrying you out in a fucking body bag. Uncle Poe must like you. Yeah, I don't think he has an opinion on me either way. All right. I tell you what, you get tired of spinning your wheels in the night market, give me a call. There's more to this business than strong-arming street vendors. Ricky, your name's Ricky, right? I appreciate the offer. Ricky? Now let me think about it and I'll get back to you. C'est Ricky. Ricky Martin. Ok. Ça commence à avancer là. On commence à rencontrer plein de monde. Take the car across the street. Give you a chance to see what it's like to be in the big time. Monter dans la voiture. Ça, c'est de la caisse. Retrouve Roland à la fourrière. À la fourrière. Oh, putain, oui, ça avance bien, ça. Ouh là là, ça a de la patate. Un peu de Winston. Yeah, you alright? Things are gonna be okay. There's gonna be work to do. A lot of work. Beaucoup de boulot. I always am. Look, in the meantime, I'm getting swamped with the sweating crap. Ton mariage. Yeah. Yeah. I tell you, it's easier to be a red pole than a groom. Ah, il va se marier. Stop by the restaurant when you're done there, okay? Got it. Ok. Putain, on va l'avance. Ah, ça c'est pas un veau, ça. Ok. Retrouve Roland. Attendez, voir, il y a un truc qui brille là. Oui. Laissez passer. Merci.
Casquette de baseball, ouais, bon, ça je suis pas fan. Roland, ah mais il est là. C'est lui Roland. Hey, Roland Ho. Ah. Who's asking? My name's Wei Shen. Ah, Wei, you got friends in high places. T'as des amis haut placés. I hear you and Winston have been making trouble with Dog Eyes. Dog Eyes has been asking for trouble. I remember when I was like you, always looking for a fight, ready to kill anyone who so much as looked at me sideways. Here's a tip for you, kid. Don't take on a boss in your own triad unless you know for a fact someone else is gonna back you up. Hierarchy is the only thing anyone cares about. Always have, always will. Thanks for the advice, old timer. So, merci. Can we get to work? Okay, big man. What Tyler Dinjo? Patsy Wing. Patsy Wing. Bad luck at Mahjong. You'll need this. Oh putain, pistolet mitrailleur. Like what she owes. Ça va swinguer. Le Mahjong. Ok. Trouver Patsy Wing. Oh putain, mais faut prendre la voiture. Je crois que c'était à côté. Mais... Putain, il m'a donné une putain d'arme, le mec. Ok. Plutôt cool. Il est cool ce rôle-là. Bon, allez, on va voir Monsieur Pastis là. That's a relief. Look, I gotta go, Jackie. Gotta see a lady about some money. Ça pulse. You're gonna pay up, you understand? Shit, that's a lot of muscle. What? Il fait quoi, hein? What the fuck? Il me dit les renforts, ok. Putain! Moi j'ai une voiture qui avance. Hein. Ah. Ah oui, je peux tirer en même temps. Oh là là. Ah, c'est R1. Waouh, wow, ça marche trop bien. Rattraper Patsy. Ah, c'est cool, on peut tirer en même temps. Là, tu dégages. Putain. Putain, ils volent direct, hein. Soit cette arme elle est géniale, soit... Rattraper quoi. Il y a quoi comme voiture lui? La vache, je sais pas ce qu'il a comme voiture mais... Attends, j'ai une voiture rapide, je suis à fond, j'arrive pas à rattraper quoi. Est-ce que je peux le tirer dessus? J'en sais rien. Sans le tuer, ah non faut pas le tuer. Ah ok, faut que je saute dessus, ok. On va prendre le contrôle de la voiture. Oh merde. Laissez les portes fermées. Oh! Oh la vache! Vite! Oh, comme je me suis vautré! En vrai, je suis mort là. Vite! Le roule à gauche déjà. Ah mon dieu! Je crois que la voiture avance plus, ça y est. Ben, j'ai fait le con! Oh là là. Enlevez-moi ce machin en haut, je sais qu'on peut sauter comme ça. Je vois rien, ils sont cons, je vois rien.
Enlevez ça, je vois rien, bande de cons. Allez hop. Oh, ce bordel. Merci, ça va. On est à votre plan. That's the problem. You old guy like rolling home money, you gotta pay. I'm sorry. I don't care if you're sorry. Faut y tailler un choc, lui. If you have the money. I don't, I'm sorry. Y'a pas de sorry, m'en bats les couilles. Stop saying that. Sorry. C'est toi. Oh! Elle a sauté! Elle a sauté l'autre, elle est tarée. You got the money? No, next best thing though. Got a car loaded with dope. Alright, what I have to do. Bring it back here as soon as you can. Don't drive around in a stash car any longer than you have to. C'est pas toujours plus nécessaire. C'est pas mal cette voiture aussi. Qui a de la cam. Ah. T'as même pas regardé ce qu'il y a rien dedans, tu sais. Ok. Ah, on prend pour les deux en plus. Tenue de flambeur, ok. Shane, il faut qu'on se voit tout de suite. Raymond. Raymond. Shed, finally. Where the hell have you been? Look, I... Do you have any idea what's going on? What happened at the warehouse? Raymond, do you ever actually read my reports? Your reports? All I have to do is read the goddamn newspapers. They're calling it a massacre. Oh, that's gonna If it came out that the police were involved, we're dead. It won't. Well, you can't know that. You at least could have turned Siwa over to us. It would have helped our case. And would have put the entire operation at risk. What does Pendrew say? You know, he's not your handle, Wade. I am. Well, then fucking handle it, Raymond. Well, how'd you think this was gonna go down? Huh? Whatever it takes. You remember that? You wanted results. And you can't get them sitting behind a desk, nose in a rule book, with a stick up your ass. Look, Raymond. I am doing what needs to be done. No, you've crossed the line, Wade. I'm gonna terminate this operation. You can't do that. Pendrew won't allow it. Pendrew may like to take chances, I don't. And you are dangerous. Dangerous, je suis pas dangerous. Fine. Je vais te mettre un coup de tronche. Before you go back to your office to try and pull the plug, go ahead and tell Pendrew that I just met the chairman of the Sun on Yi. Chairman? Wait, you're just a foot soldier. Well, this Monsieur foot soldier has just been marked for promotion. Because I made sure Suwa got out safely. It'll be in my report. And maybe this time you'll actually read it. Non mais Magouille, je sais pas si... S'il veut pas partir du triade lui. Ou l'autre. Je le sens pas. Oh, la nouvelle baraque. Oh la vache, elle est jolie celle-là. Ah bah là d'accord. Ça c'est de l'autre. Ça c'est de la baraque. Ah ouais. Ting. Combat illégaux signalé sur une île secrète. Je vais intituler le ferry par de centrale. Ah sympa hein. Il y a même le balcon et tout quoi. Putain. Grosse télé. Le PC. La cuisine, on est bien.
Ok, un gros hôtel de luxe là. C'est un hôtel ou c'est un lab? Non, c'est pas un hôtel. On est où là? Guyuan Building. Non, c'est pas un hôtel. On est où là? Futur marié. Ah. Il y en a qui vont se marier. Water Street. Futur marié, putain, c'est loin. Les perdants seront gagnants. Une petite quête, allez, secondaire, on va aller la faire. On n'est pas loin. On n'est jamais bienvenu par ici. Ça. Ça a l'air très vivant. Beaucoup de magasins. Merde, on peut monter là. Bonjour, j'aime pas marcher sur les trottoirs moi. Voilà, il fume lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde me connaît. Qu'est-ce qui t'arrive? De coq. Ils sont cons, ces gens. Ils tous. Ah mais c'est son camion à lui. Mais taisez-vous, on entend pas ce qu'il dit. Du poulet à l'eau. Mais oui, c'est son camion. Allez, poussez-vous. Cousu le camion dans l'eau. Oula. Ah oui, il y a des plumes. C'est marrant, une petite quête secondaire comme ça. C'est jamais les mêmes. Hein. Ça c'est plutôt cool, c'est assez varié, c'est marrant. Là c'est pas des petits hôtels. Ça serait bien qu'on augmente notre barre de vie là. On va pas trop cartonner parce que ça l'est déjà bien abîmé là. Pas mal. Ok, allez go. Salut. Comme dans les films. On est qu'au niveau 1 en plus hein. Oh. Faut aider partout. Ah merde. Ok. Ok, que du pognon. Non, range ton flingue. Ah, il y a un petit bord de plage. Ah ouais? Regarde, on peut se baigner là. En plus, t'es tranquille, y'a personne. Tranquille, mille. Bon, est-ce qu'on fait le mariage à cet épisode? Ça sent la grosse mission, ça, non? Putain, on est loin. Water Street. Attends, c'est une mission principale, ça? Non, ça n'a pas l'air. Voilà, on finit en quête secondaire. Et on fera le... On attaquera le prochain épisode au mariage direct. Oh! Oh la vache, elle l'a renversé. Madame, vous allez bien? Ah non, elle est morte. Oh, foiré. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il y a le SAMU qui arrive. Oh, comme il l'a renversé quoi. On va piquer une bagnole là. Ouais, alors on va faire quelques petits quêtes secondaires qu'on va trouver sur la route.
Et on se réservera le mariage pour le prochain épisode. Je pense que ça va être très intéressant. Oh putain. Faut qu'on trouve des hôtels, il doit bien avoir, on n'est jamais venu par là. Là, vers les fontaines, là, non? Bon, je pense pas qu'on a bien le droit de venir là, en vrai, mais... Poussez-vous! Attention, je passe! Attention! Ah bah j'ai dit que je passais. Putain mais... Ok, les gens ont rien compris. Je vais passer sur l'escalier, oui. Oh mais il y a le 5. Oh merde. Là il y a quoi? Il y a un truc bleu là. Hein. Une petite quête de police. On va faire une petite quête de police. Hein. On va voir ce que c'est. On en a pas fait encore. Je crois qu'en général c'est pour rater des malfaiteurs, trucs comme ça, je crois. Ah ouais, c'est ça. On a une fusillade en cours. Okay. On retrouve la patrouille attaquée. Là, ça rame ou c'est bon? Police! Neutraliser les criminels. Oh, on est en mitaine, attends. Oh la vache. C'est bon? Ah, il y en a. Ben voilà. Pour l'empoigner. Hop! Et les monottes! Et voilà! Voilà, on fait vraiment le flic quoi! Et voilà! Tout simple! Et ça, on gagne de l'expérience de police, c'est cool! Ah, c'est pas énorme hein! Putain, les bâtards! Bon, par contre, ça paye plutôt pas mal, 20 000 $! On va plutôt faire des quêtes jaunes. Il n'y en a pas dans le coin. Saisie de drogue. C'est joli par là. Les fontaines. Bonjour. Le mec. Oh! T'es calme, oui. Ah, bien, qu'une quête de police. Ah, putain, il y avait un truc là, je crois. On ira voir après. Arrêtez les véhicules suspects. Ah, merde! Comment je l'arrête? Ok, je les percute. Oh! Quand même bien fait ça! Tu dis que vraiment. Ah, il est là! Attends, je peux tirer? Ah, je peux pas tirer? Non, c'est de la merde! Police! Ah, t'as raison, viens sur l'autoroute toi! Ah, foiré. J'ai oublié de temps qu'il passe devant, sinon je peux pas le percuter. Ah, le connard il ressort. Un coup, je pense que c'est bon. Bah, j'ai pas la peine, elle est juste là. Ils sont cons quoi. Bon, ce véhicule n'avance rien. Ah, l'enfoiré.
Oh le bâtard. Poussez-vous, police. Putain. Hop. Encore. C'est quoi ce véhicule? Il avance rien ce véhicule de merde. Ok. Ramenez le vivant. Ok. Mais putain, mais. Il faut arrêter la tentative d'agresser. Quoi, j'ai rien compris. Mais putain, je compte, ça marche pas. Mais c'est quoi ce bordel? Toi, tu as calmé déjà, voilà. Putain. It's under control. I'm bringing the suspect in. What? Rien compris quoi. Ok, ça m'a coupé. Bon, c'est pas grave. Ça rapporte que dalle ça, hein, quand même. J'ai vu un truc briller tard, c'était où? Je peux monter, hein? Non. Y'a rien à piquer, quoi. Regardez, ils sont bien cachés là. Hein. Là, il y a un truc là-bas. Joli là. Yes, un hôtel. Parfait. Oh putain, le bruit. Il va en... Merde, calme-toi. Il va nous en manquer un, je crois. Ouais. Ah, il y a un ennemi. En général, quand il y a des ennemis, c'est qu'ils surveillent des coffres. Hein. En général. On va aller voir. Ah, oh, il est chiant, il peut pas monter là. Putain, t'es relou des fois. Hein. Allez, grimpe. Y'a rien ou quoi? Ah si. Ouais. Fais gaffe, c'est deux gros là. Et voilà, mon coup favori, le coup de pied circulaire. C'est toujours ça, par contre, là. Ok. Qu'est-ce que de baseball encore? Putain, on doit en avoir deux, je crois. Deux casquettes pour le prix d'une. Putain, on est riche, 334 000 dollars, on a. Oh, il y a un hôtel là, génial. Putain, c'est joli, là. Putain, avec les fontaines et tout. Ça a de la gueule. Yes, on va améliorer notre santé. Ça, c'est super cool. Plus 10%. Monsieur, restez pas près de moi, s'il vous plaît, merci. Attends, il y a des connards là.
encore un coffre. Ouais. Allez hop, ça dégage. Ok. 20 000 $. Pff, le pognon. Comment faire les pognons 40. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Pas grand chose à faire quoi. Comme ça, au prochain, on ira voir. Là, on fera la future mariée. J'ai hâte de voir c'est qui sa femme. Je crois qu'on l'a jamais vue. Oh, il y en a encore un autre là, baptisement. Oh, là aussi. La chance est avec nous. $5 000. Il y en a, ils sont pas bien cachés. Hein. Ça dépend lesquels. Ok. Bah voilà. Centre d'hôpital. Tiens, on va aller voir. On peut rentrer en plus. Peut-être qu'il y a des coffres dedans. Eh, il y a une statue. Mais c'est énorme. Il y a une statue. Incroyable. Et on peut aller dans l'hôpital quand même. Ça, c'est quand même pas mal. Bonjour. Excellent. J'ai le droit, hein, ouais, c'est bon. On peut vraiment aller partout, quoi. Ils font les radios. Ok, on peut aller partout. Excellent. Il y avait une statue dans l'hôpital quoi. Merde. Et en plus on va ramener la statue. C'est loin. Bah, un petit peu. Ouais. Allez, on va ramener la statue et on s'arrêtera là. Hop hop hop, il y a encore un truc là-bas. Un coffre. Ah, ça a pas marché. Attends, c'est l'autre sens. Ah non. Vêtements trouvés, je sais pas c'est quoi. Voilà. Ça se met où? Bon, il me faudra un véhicule, s'il vous plaît. Il y a personne, quoi. On est à Hong Kong ou on est à un village là? Oh! Ah, il y a tout de garde, c'est bon, je vais pas prendre mon véhicule. Tac! Allez, c'est parti! Il y a une belle bagnole là. On est super loin. Hein.
Merde, je peux buter qui? Ah, c'est ça les camions. Camions d'argent, ouais. On peut les prendre, les amener au garage. Ça va nous faire du pognon, je crois. Mais bon, est-ce que vraiment on a besoin de pognon? Non. Bonjour. Orange, ça va être les courses de voitures, ouais. Donc là, faut venir avec une bonne bagnole. Genre comme j'ai là, c'est bon. On en fera peut-être, on verra, ouais. Plan de Ruel Lumei à proximité. Ah, mais c'est pour cette drogue. Merde, j'ai pas pris la bonne route. C'est pas grave. Raccourci! Ok, là, il était fin. Oh la vache! Laissez passer! Ouh! Allez, on va prendre un nouveau coup. Oula. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est, quel animal là. J'ai pas vu, on voyait pas trop. Le sanglier, d'accord. C'est pas le cochon plutôt, non? It was all right. To have two homes is to have two souls. So they say. What if you never feel at home anywhere? Then I think you must guard your soul carefully, so as not to lose it. Oh, la tête. Le sanglier. What would you like to learn? Coupure circulaire, sauter. Ah bah ça, mais il faut ça. Jean-Claude Van Damme. Le coup de pied sans que provoque plus de dégâts et est plus puissant. Bah oui, je pense. Évidemment. Alors. Ah, c'est dur à le faire. Oulala, attends. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. C'est celui-là? Ah ouais. C'est presque le même, non? Ah ouais, non, il fait vraiment un circulaire, là. Pas facile à sortir, mais ouais, il va faire des gros dégâts de porc. Hein. Effectivement. 1, 2, 3, 4, et gros 5. Ok. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ça. 1, 2, 3, 4. Non. Tu vas te détendre, non? Il est pas facile à sortir, celui-là. Attends. Attends. 1, 2, 3. J'ai pas eu le temps de le. Il est déjà mort. Bon, on verra ça au prochain épisode. Il a bien cool ce coup aussi. Et ben voilà. What? Mais j'avoue, il y a personne sur la moto. Ok, il y a des petits bugs quand même. Hein. C'est bizarre. Et ben regardez, on va s'arrêter sur cette belle image. Et bah en tout cas, merci de m'avoir suivi. Donc, prochain épisode, futur marié. Je pense que ça va plutôt être sympa. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.